Est-ce que vous avez dû monter le ton cette semaine auprès de vos joueurs après le match à Metz et les manques qu'il y a eu? Ma una cosa è sicura, sicuramente eravamo molto scontenti dopo la partita contro il Metz. Certainement, nous étions pas du tout contents après le match contre Metz. Era questa domanda. Chiedeva se ha dovuto alzare la voce, sì, dopo il Penso che tutti erano coscienti di questo, cosa abbiamo lasciato dietro di noi, opportunità che non abbiamo sfruttato. Je pense que tout le monde était conscient des opportunités qu'on n'a pas su exploiter. Abbiamo parlato anche di queste cose qua. Non serviva troppo alzare le voci sulla partita in modo generale. Nous avons parlé de tout cela, il n'a pas été nécessaire de hausser le ton en mode particulièrement sur le match en lui-même. Ma su certe cose che sono successe durante la partita, certe posizioni che non siamo stati molto presenti, che già abbiamo avuto in partite precedenti, sicuramente ho fatto punto su questo. Mais certainement sur certaines choses qui se sont passées pendant le match, certaines positions qu'on a eues ou pas eues pendant ce match et qui s'étaient déjà produites pendant des matchs précédents, j'ai fait le point sur cela. Vous avez évoqué le fait que l'équipe a fait preuve face à Metz d'un peu d'arrogance. Comment vous souhaitez traiter ce côté-là? Ha detto che la squadra ha fatto prova di arroganza e che non le piace come vuole. No, questo è sicuramente uno dei punti che ho parlato, ma ho parlato già in pausa. C'est certainement l'un des points dont je parlais, mais j'ai déjà parlé, quando dice pausa, je leur ai déjà parlé entre la première période et la deuxième. Sicuramente, essere arrogante può essere positivo per approcciare una partita, ma non deve essere distruttivo per dare possibilità ad avversario di tornare in partita. Être arrogant, ça peut être un bon trait de caractère à l'entrée d'un match dans sa préparation, mais ça ne doit jamais donner l'opportunité à l'adversaire de revenir dans le match et de nous mettre en difficulté. Est-ce que vos joueurs manquent de rigueur? Sicuramente, sì. Come anche nelle altre squadre, non è solo da noi, e rigore di segnare qualche gol in più o di incassare qualche gol di più, ma soprattutto rigore di rimanere 95 minuti concentrati e non provocare noi crescita dell'avversario. Certainement, il manque de rigueur par moment, comme dans beaucoup d'autres équipes, ce n'est pas un cas particulier le nôtre. Rigueur d'essayer de ne pas prendre des buts ou d'en faire plus, mais la rigueur que je demande le plus et qui manque, c'est celle d'être concentré pendant 95 minutes et de ne pas donner d'opportunité à l'adversaire. Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est possible de se maintenir en Ligue 1 ou dans un grand championnat en prenant autant de buts pour vous? Certainement sympa d'en prendre moins de buts. Qu'est-ce que vous mettez en place justement? C'est vrai que c'est voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour changer ça? Ma se noi analizziamo tutto quanto, la maggior parte dei gol che abbiamo subito sono questo, abbiamo lavorato anche questa settimana anche in questo senso. Si on va regarder dans le détail, la plupart des buts que l'on a pris sont issus d'erreurs individuelles, de marquage ou de présence dans l'espace et de contrôle de l'adversaire. Nous avons travaillé sur cela également cette semaine. E più prendere responsabilità e concentrazione. Ho parlato con giocatori e abbiamo lavorato in questo senso.
Et les trois buts qu'on a pris dans le dernier match, on était toujours en supériorité en termes de nombre. Donc beaucoup plus de rigueur sur le marquage, sur la présence. Et j'ai parlé aux joueurs pendant cette semaine encore de ces problèmes. Les Girondins de Bordeaux font un début de championnat difficile. Il faut remonter aux années 70 pour avoir un tel résultat. Est-ce que vous vous sentez, entre guillemets, menacé ou un petit peu en questionnement aussi bien de la part des joueurs que de la part de la direction du club? Non, mais ce sont des demandes toujours ouvertes parce que Girondins de Bordeaux, en 2013, me semble, est stato anche campione de la France. Cela sont des questions qui sont toujours ouvertes, se remettre en question, parce que je pense, si je ne me trompe pas, en 2013, Bordeaux a été champion de France également. Guardando realisticamente, noi siamo in posizione dove ci mancano i punti, ma soprattutto qualche vittoria in fila di più. Si on regarde d'un point de vue réaliste, certainement on manque de points, mais je pense que l'on manque cruellement d'une série de victoires l'une après l'autre. E guardando anche realisticamente, noi siamo pochi punti anche di decima ottava posizione, come siamo pochi punti da sotto. Cosa significa? Che c'è molto equilibrio e vediamo in quest'anno in campionato francese che ognuno può battere un altro. Et après, si on regarde au score du championnat, on est en même position vers les premières positions que vers les dernières. Donc cela veut dire que le championnat est très équilibré et que tout peut arriver dans un championnat comme celui-ci. Je reviens un petit peu sur la difficulté défensive. Quel est le poids de l'absence de Laurent Koscielny ou des difficultés qu'il a pu avoir physiques sur le début de saison dans cette instabilité justement défensive? Controprove non ci sono mai, noi dobbiamo vivere situazioni con giocatori o senza giocatori. Qualità di Laurent sappiamo, ma in momento siamo senza e dobbiamo tirare questi 10-20% in più per compensare anche ogni assenza. On connaît tout très bien la valeur de Laurent, mais on ne peut pas se concentrer sur cela. Comme je le dis souvent, il faut vivre la situation, il faut faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on a à disposition. Et maintenant, il faut faire un 10-20% en plus pour pallier à son absence. Sur les problèmes défensifs, depuis le début de saison, vous dites que c'est un manque de rigueur, des erreurs individuelles. Est-ce que ça commence à vous agacer de voir que les joueurs n'arrivent pas à appliquer ce que vous demandez? Lavorare, abbiamo lavorato e sicuramente ci sono nel calcio anche i momenti dove si subisce da ogni tiro o si segna da ogni tiro e penso che un momento particolare anche adesso, ma se vedo quanto poco abbiamo concesso di avversario, penso che siamo anche su buon punto. La solution pour moi, c'est toujours de travailler, c'est ce que je fais, travailler. Après, il y a évidemment des moments où on subit beaucoup plus, il y a des moments où chaque action que l'on fait va à bon escient. Il y a des moments particuliers, peut-être que celui-ci est un moment particulier, mais quand je regarde aux opportunités que l'on a données aux adversaires, je ne suis pas totalement déçu de notre situation. Juste pour revenir sur Laurent, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il pourra revenir, s'il peut venir la semaine prochaine pour les matchs de la semaine prochaine? Et voilà, est-ce que ça vous inquiète de voir, à son âge, avoir eu plusieurs blessures? Ma, sicuramente volevamo averlo già adesso, purtroppo non è ancora pronto e sarà settimana prossima molto delicata perché ci sono tre partite in fila, così che valutiamo giorno dopo giorno. Certainement, on aurait voulu l'avoir avec nous. Malheureusement, il n'est pas encore au point. Ce n'est pas encore le cas. On ne peut pas l'avoir pour le moment. La semaine prochaine, c'est une semaine difficile parce qu'on a trois matchs. Donc, comme je le dis souvent, il faut regarder un match après l'autre, jour par jour. Pour rester sur les blessures, il y a eu plusieurs blessures musculaires aux ischio-jambiers. Il y a eu Wang, Laurent, Abdelmedjoub. Est-ce que ça vous interroge? Est-ce que c'est juste la malchance? Est-ce que c'est les terrains? Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu deux préparations différentes? Est-ce que vous interrogez là-dessus? Ma, anche per questo non ci sono controprove, ma chi è quarto?
Qui est quarto giocatore con due... qui est, vous parliez de quatre joueurs, le quatrième, pardon. Spero che rimangano questi numeri qua, diversi esteticamente. Fortunio c'è il rischio anche dopo un periodo più lungo che subisce anche lesioni muscolari. J'espère que le nombre ne va pas augmenter, bien entendu. Après, il est difficile de voir une tendance sur les blessures. Parfois, il est aussi possible que quand on a eu une blessure quelque temps avant, on peut entraîner des blessures musculaires après, par la suite, même une fois qu'on a récupéré. Jusqu'à présent, les supporters des Girondins de Bordeaux étaient plutôt... plutôt confiant par rapport au projet des Girondins. Là, ils commencent à faire preuve un petit peu d'impatience, c'est-à-dire que quelque part, ils sont un peu déçus. Est-ce que vous comprenez ça et qu'est-ce que vous avez à dire aux supporters qui commencent à critiquer un petit peu l'équipe ? Ma io personalmente non ho sentito tanto, ma come 200-250 supporter hanno tifato per 90 minuti non mi sembrava. Personnellement, je n'ai pas entendu particulièrement de propos, mais quand j'ai vu 200-250 supporters être avec nous pendant le match, je n'ai pas eu cette impression, sincèrement. Sicuramente noi speravamo e si sperava avere qualche punto di più, ma sicuramente lavoriamo sodo per raggiungere questi obiettivi. Sappiamo che è un anno particolare, un anno che ha cominciato, stagione che ha cominciato in modo particolare, ma penso progressi si sono visti, ma dobbiamo essere idealisti e cercare sempre di più, sempre di meglio. Évidemment, on espérait avoir plus de points. Nous travaillons toujours très dur pour y arriver. Évidemment, c'est une année particulière, c'est une saison particulière, une saison qui a démarré de façon particulière. Mais je pense que si on regarde, on voit quand même certains progrès. Il faut maintenant être idéaliste et en vouloir toujours plus et vouloir toujours mieux. Justement, vous affrontez dimanche une équipe qui a eu un début très difficile et qui a réussi à faire basculer les matchs en sa faveur. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que votre équipe, elle n'en est pas loin ? Sicuramente che sono in grande fiducia e quattro partite in fila non è semplice, ma si vede anche tirando due o tre partite in fila positive quanto si riesce a fare salto di in classifica, ma anche nella fiducia. Certainement, ça ne va pas être facile. Ils ont beaucoup de confiance en ce moment. Quatre matchs positifs donnent beaucoup de confiance. Mais justement, ça prouve ce que je disais, qu'une série de victoires, quand on arrive à s'imposer, ça vous change la vie, non seulement sur le score dans le championnat, mais également dans le mental de l'équipe. Une petite question sur Timothée Pembélé. Que pensez-vous un peu de son début de saison ? Vous l'avez fait plutôt rentrer en cours de jeu sur les derniers matchs. Pourquoi ? Et voilà, que pensez-vous ? Ma perché posso giocare solo con 11 giocatori. C'est parce que je ne peux jouer qu'avec 11 joueurs. Sicuramente lui ha avuto suoi alti e bassi, adattamento. Adesso comincia a capire che si deve anche lavorare in due sensi. Certainement, il a eu des hauts et des bas, il a eu besoin d'une période d'adaptation, mais non, il commence à comprendre qu'il faut travailler dans les deux sens. Et non dimenticare un giovane, molto giovane, che dobbiamo fare anche con le pinze, prendere e portarlo per dare suo massimo anche per più partite. Et il ne faut jamais oublier qu'il est très très jeune et il faut le traiter, interagir avec lui de la bonne façon. Il faut le prendre avec des pincettes et essayer de lui faire donner le mieux de lui-même. À Paris, il était surtout défenseur central chez les jeunes, beaucoup utilisé. Est-ce que finalement, il est en apprentissage de ce poste de latéral droit ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un joueur en apprentissage ? Ma non mi sembra modo di giocare che era tanto centrale. Je n'ai pas eu l'impression que sa façon de jouer était très centrale.
a Parigi come centrale, magari ha giocato con i giovani, adesso è con gli adulti e con gli adulti anche a Parigi ha cominciato e non ha giocato tanto, ha cominciato sulla fascia. E io vedo che potrebbe fare una bella carriera su questa posizione lì. Peut-être que quand il jouait plus central, c'était avec les jeunes. Après, même à Paris, qu'avec les adultes, il a commencé un peu plus latéral. Il n'a pas joué beaucoup, bien entendu. Mais moi, je pense qu'il pourrait faire bien en cette position. Sur le retour, qu'est-ce que peut vous apporter le retour de Wang Huizhou? Aujourd'hui, vous avez tout le monde offensivement. Qu'est-ce que lui peut vous apporter en plus dans l'animation? Prima spero che rimane così e che rientra senza i dolori e senza problemi anche per le prossime partite. En premier lieu, j'espère qu'il va revenir sans douleur et sans problème pour les prochains matchs également. Sicuramente non è al 100%, adesso ha fatto qualche settimana di riposo e adesso abbiamo tre partite e dobbiamo gestirlo per ottenere anche da lui, che è fondamentale per questa squadra, massimo. Il n'est pas encore à 100%, bien entendu. Maintenant, comme je le disais, nous arrivons à un moment difficile où on a trois matchs, donc il faut le ménager un peu pour essayer d'en tirer le maximum sans le blesser ou le fatiguer. Il a eu quelques semaines pour se reposer, donc on va voir. On sait que vous avez évoqué l'enchaînement des victoires nécessaires. Pour l'instant, cet enchaînement n'arrive pas. Est-ce que vous sentez que les joueurs sont mentalement touchés par les difficultés? Parce que c'est important ce qui se passe sur le terrain sportivement. Puis il y a aussi dans les têtes. Est-ce que vous sentez que l'équipe ne commence pas à douter? Sicurement, dopo partita, erano tutti abbattuti perché abbiamo lasciato una bonne possibilité de vincere la partita. Certainement, après le match, ils étaient tous abattus, déçus, parce qu'on a perdu une bonne opportunité. Mais in modo generale, non vedo squadra che ha subito tantissimo mancanza di qualche punto, perché anche loro vedono che possono giocare contro ogni avversario e possono anche dominare avversari. Mais en les regardant, je ne vois pas une équipe qui a perdu le moral, parce qu'ils voient quand même l'amélioration, ils voient qu'ils peuvent jouer contre n'importe quel adversaire et ils peuvent aussi avoir l'opportunité de dominer l'adversaire. Adesso ci mancano queste piccole cose, pochi percentuali per sfruttare in fase costruzione, soprattutto qualità di passaggio, finalizzazione anche sulla marcatura. Maintenant, il nous manque de entre guillemets petites choses, de petits pourcentages de choses, de marquage, de finalisation, de qualité de la passe. E per questo è sempre più difficile fare salto di qualità nelle queste piccole cose, e per questo ci vuole tanto la testa, e penso che questi giocatori potrebbero dimostrare questo in prossima partita. Et c'est pour cela, vous le savez, quand le pourcentage a augmenté, et plus il est petit, plus il devient difficile de l'atteindre, de faire ce pas. Mais je pense que les joueurs ont un bon mental et je pense que l'on pourrait avoir de bons résultats même dans le prochain match. Vous êtes donc confiant pour la suite? Comme toujours optimiste, comme toujours, travaillons pour ça. Merci. Merci, mister. Bonne journée.
un peu. Avant ce match de face à Brest, est-ce qu'il y a un esprit de revanche après la contre-performance face à Metz? Oui, je pense, parce que surtout après le match de Metz, on était tous frustrés et déçus de ne pas ramener les 3 points. Donc c'est vrai que le match contre Brest, on va avoir à cœur de se rattraper et de rattraper entre guillemets les points perdus. Après, on sait qu'on a fait des choses bien aussi à Metz qu'il faut garder. Après, on sait ce qui a amélioré, on l'a travaillé cette semaine, donc c'est à nous de mettre tous les ingrédients contre Brest dimanche pour faire le nécessaire. Qu'est-ce qui a amélioré et que vous avez travaillé cette semaine, du coup? Ce qui a pêché à Metz, comme je vous l'ai dit après le match, les choses comme le premier but qu'on prend, l'état d'esprit, je pense, parce que c'est impossible de mener 2 fois au score et de se faire rattraper comme ça. Donc à un moment, c'est aussi dans les têtes qu'il faut qu'on se mette, qu'on soit conscient des choses. Et il faudra qu'on mette tous ces ingrédients dimanche contre Brest pour regarder le score s'il y en a et pour y arriver à mener déjà. Un manque de rigueur pour toi dans les moments du match? Un manque de rigueur, je ne sais pas. Après, sur le premier but, je pense qu'on joue un peu trop facile, donc ça les remet dans le match. Donc les petites choses comme ça, il ne faudra pas les faire dimanche si on a la chance de mener un score. Par rapport à ce que vous sentez de l'équipe là, depuis ce début de saison, un des plus mauvais depuis longtemps pour les Girondins de Bordeaux, est-ce que vous avez le sentiment que l'équipe a le moyen de rebondir vraiment? Oui, bien sûr, on sait les qualités qu'on a dans l'équipe, on est conscient de la situation dans laquelle on est. Après, c'est à nous sur le terrain de faire le taf. À Metz, il n'y a pas tout qui a jeté, comme je l'ai dit, il y a eu des bonnes choses. Donc à un moment, il faut qu'on soit conscient des choses et qu'on mette tous les ingrédients. Et si je pense que chaque joueur met les ingrédients et se donne à 100-120%, on va y arriver. Tu penses qu'il y a une petite urgence en termes de points? En plus, c'est une semaine à 3 matchs. C'est vrai que la semaine à 3 matchs va être déterminante parce que la position dans laquelle on n'est pas bonne, on a besoin de points. Donc cette semaine à 3 matchs va être importante et il faudra prendre le plus de points possible pour sortir de cette zone. Quand tu regardes le classement, tu regardes plutôt devant ou derrière? On ne va pas se mentir, à l'heure actuelle, on est en bas. Donc, on ne regarde personne, on se regarde nous et c'est à nous de prendre les points et de faire le taf. Après, comme je l'ai dit, on est en bas, donc maintenant, il faut sortir vite de là et pour se donner un peu d'air. Le coach disait tout à l'heure qu'il n'y a pas grand-chose, il y a quelques petits pourcentages à améliorer, que c'est peut-être ces petits pourcentages qui sont le plus difficiles. Est-ce que tu sens qu'effectivement, aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires, vous avez justement les moyens aujourd'hui de pouvoir augmenter ces petits pourcentages en question? Oui, je pense qu'on a les moyens. Moi, j'ai confiance en l'équipe, au staff et en tout le club pour y arriver. Après, c'est les choses qu'on doit améliorer, qu'on doit mettre en place sur le terrain qui vont faire qu'on va réussir à gratter ces petits pourcentages. Donc c'est vrai que je rejoins le coach, il manque quelques petites choses et j'espère que dimanche on va les avoir avec nous. Vous êtes vexé par rapport justement à ce début de saison, par rapport à votre classement, il y a un petit peu ce sentiment de vexation? Un peu, c'est vrai que le regard des gens, ce que les gens peuvent dire, forcément, on sait ce qu'ils pensent, les supporters, on aimerait bien leur donner plus, être plus haut au classement et les emmener avec nous. Après, on sait que là, ça plaît à personne, le classement où on est. Maintenant, on va tout faire pour grimper au classement. Il faut enchaîner les bonnes performances, disait le coach. Est-ce que justement, cette partie-là de match resserré avec un début face à Brest, ce n'est pas justement la bonne occasion pour enchaîner? Si, c'est l'occasion, comme on l'a dit, la semaine à 3 matchs. C'est l'occasion de bien commencer cette semaine à 3 matchs dimanche. Donc j'espère en tout cas qu'on va le faire et que ça va nous lancer pour la suite. Si tu devais décrire le jeu que vous voulez mettre en place, tu dirais quoi? Tu le caractériserais comment finalement, ce que vous essayez de mettre en place depuis le début de saison? Ça, caractériser, je ne sais pas. Après, on essaye de faire ce qu'on travaille toute la semaine, de relancer court, de partir de derrière. Après, aussi à l'adversaire, ce qui nous propose en retour, on s'adapte un peu. Après, on essaie de faire le mieux possible sur le terrain et ce qui est le mieux possible sur l'instant T. Comment tu expliques ce déséquilibre que vous pouvez avoir sur le terrain et cette fragilité défensive depuis le début de saison?
Je ne sais pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, on a vu, il y a des matchs, on était très solide défensivement, on n'a pas pris de but, on a réussi à garder le score. Et il y a d'autres matchs comme à Metz où on a un peu pas douté, mais on s'est fait rattraper deux fois. Donc je ne sais pas, je pense que c'est dans les têtes qu'il faut qu'on se mette dedans mentalement et qu'on soit conscient des choses. Est-ce que tu sens qu'il y a une part d'insouciance quand on tient de partir? Parce qu'on a l'impression que ce groupe était quand même assez insouciant sur le début de saison, avec beaucoup de jeunes. Voilà. Est-ce que c'est en tient de partir finalement pour comprendre l'urgence aussi peut-être de la situation? Peut-être que la situation, entre guillemets, d'urgence, comme vous dites, enlève cette insouciance et remet un peu tout le monde sur terre. Maintenant, je pense qu'on a tous en tête et on prend tous conscience des choses et du classement. Donc maintenant, l'insouciance ou quoi que ce soit, il faut qu'on l'enlève et qu'on joue sur le terrain et qu'on emporte les matchs. Qu'est-ce que vous voulez démontrer face à Brest, vraiment, l'enjeu de ce match? Il faut gagner. On peut démontrer ce qu'on veut. Le plus important dimanche, c'est les 3 points. Et il faut gagner, il faut l'emporter. Merci.